Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, vidéo assez spéciale. Je vais aller chercher un abonné avec les RS3. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos à faire avec les RS3. Voilà, je suis preneur dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, vous me dites des idées de vidéos à faire et puis j'en ferai tout simplement. Donc là j'ai eu l'idée d'aller chercher un abonné. C'est un abonné avec qui on joue sur PS4 depuis assez longtemps. Je me suis dit bah tu sais quoi, je vais lui faire une petite surprise. J'avais les RS3, il m'a dit bah écoute, je suis au lycée et tout, si on me cherche à 17h. Donc là on va aller chercher, on va être en retard parce qu'il est déjà 16h30 et on est à 20 minutes du lycée. C'est pas une raison pour rouler vite hein. Non, y a pas quoi. Bah attends, faut que j'accélère. No God please. No. Mais ouais. Par contre, si j'accélère et derrière la gendarmerie, ça peut faire une bonne vidéo aussi. Non. Donc c'est parti, venez avec moi, let's go, on y va. Bon, du coup les gars, on est actuellement dans la voiture, on est sur l'autoroute pour aller chercher du coup le petit babouin qui s'appelle Clément. Donc malheureusement, lui, il a pas le permis parce qu'il est au lycée en fait, c'est un lycéen, donc il a 17 ans, je crois, il va avoir le permis dans 4 mois seulement. Il pourra pas conduire. C'est dommage pour lui, mais peut-être que dans 4 mois, s'il a le permis, on le fera conduire, on verra bien. En tout cas, on va aller le chercher au lycée, il quitte à 17h. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchon, parce que je sais, généralement, à 16h-ci, c'est un peu les heures de pointe, 16h, 16h30, 17h, c'est les heures de pointe à Nancy. Donc du coup, je peux vous dire que les bouchons, ça rend fou. Bon, je suis pas trop bouchon, accélérer, décélérer, c'est un peu chiant, on va dire. Enfin, décélérer, c'est un mot qui existe, oui. Ça existe. Oh là là, oui. Dans la RS3, j'avais pas montré, c'est quand il y a quelqu'un qui vous double, vous avez un petit truc rouge qui s'affiche juste ici là. Un petit écran LED rouge. Par contre, on peut voir qu'au niveau de la consommation, on est comme sur une Peugeot. Hein. Regarde, hein, tu peux voir. On est sur du 2 litres au 100. Ouais, je vois bien là. Ouais. 15 litres. Et dis-toi que je suis en mode confort et tout. Hein. Alors là, je suis en mode confort et j'ai les clapets fermés. Hein. C'est vrai que maintenant que je l'ai roulé et tout, j'ai fait de la route avec et tout. On va dire qu'au niveau de la conduite, le fait que c'est une voiture qui est assez bruyante, on va dire que tu peux pas faire beaucoup de kilomètres avec parce que franchement, en fait, ça fait trop mal aux oreilles, tu vois. Même si tu fermes les clapets ou si tu les ouvres, c'est quand même assez bruyant. J'ai remarqué que le régulateur, en fait, là, il y a une voiture devant moi. Là, j'ai mis le régulateur à 140, tu vois. Et en fait, il va pas accélérer. Pourquoi? Parce que c'est bah, tu sais, c'est la technologie. Par rapport à la distance, ouais. Il freine. Donc là, par exemple, si je change de truc, hop, ça va prendre. Il va se prendre. Hop, je me remets ici sur la file de droite et hop, il décélère. Ah oui. Et ça, c'est une option qui est juste magnifique. Tu fais quoi là? Je me parfume ou quoi? Tu te parfumes? Bah normal. C'est quoi? Alors, on est sur du bleu de Chanel, donc voilà, cette vidéo est sponsorisée par Chanel au passage. Ah ouais. Oh, au passage les gars, si vous avez des idées de vidéos à faire avec la RS3, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va aller récupérer l'abonné, là on arrive à peu près dans, alors d'après le GPS, 15 minutes, à peu près 10-15 minutes. On va aller récupérer, on va aller faire un petit tour avec, on va aller faire un petit tour. Ensuite on va le déposer chez lui. J'ai changé de métier, je suis plus youtubeur. Je suis devenu Uber en fait. Ouais, t'es Uber. Voilà, Uber de luxe quoi aussi. Hein. Mais il sait pas encore qui va payer le gars. Ça reste entre nous les gars. On va lui faire payer, bah forcément les gars. Et apparemment sur une RS3 c'est le triple. Oh. Donc voilà les gars, après c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes plus GLA 45, plus classé, plus Merco ou plus Audi. Parce que ça a beaucoup débattu là-dessus dans les commentaires. Hein, dans la première vidéo, la vidéo présentation qui date maintenant de 3 semaines je crois il me semble. Ça a beaucoup débattu. Alors que là tu vois... Ah, il y a matière à débat quand même, franchement c'est... Est-ce que tu penses que je devrais changer? Bah moi tu sais que je tombe pour la Mercedes coupée, la C. Ah oui, passage, quand je disais que la C43, je parlais de la C43 coupée. Parce que la C normale, je suis pas trop fan. Je suis plus fan de la coupée que de la normale. Mais la coupée, elle est... La Mercedes coupée, elle est incroyable. Donc moi voilà, moi je pencherais pour la Mercedes coupée. Je suis monté dans la toute dernière, là, la dernière fois dans la concession, quand on était ensemble. Ouais. Et waouh, je trouve vraiment que ce Mercedes, vraiment l'intérieur, il est... Il est splendide. C'est ça qui est magnifique. Dans une Merco, c'est les nouveaux intérieurs qui sont incroyables. Incroyable. Et tu sais que tu peux même dire Mercedes change la couleur en. Et ça, c'est stylé aussi. C'est une belle option. Quand j'étais chez Audi, on m'a dit aussi que, comme quoi, les nouvelles qui allaient sortir cette année là, parce qu'ils vont sortir la nouvelle RS3, ce qu'ils reprochent chez Audi par rapport à Merco, tu vois, c'est l'intérieur. Ouais, et du coup, apparemment, ça va être modifié. On verra bien en tout cas. Et, je vous tiendrai au courant. Peut-être que voilà, peut-être, je sais pas. On n'est pas loin du lycée là. Ouais, on est pas loin du lycée là, parce que je vois il y a beaucoup d'étudiants. Ouais, ouais, il commence à y avoir beaucoup de monde. On est à 400 mètres du lycée. 400 mètres, 10 minutes, on est vraiment bien là. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite devant le lycée, les gars. Let's go. On va rester ici, je pense qu'on est pas mal là, non? Ouais, écoute, ouais, franchement, ça va pas mal. D'ailleurs, dédicace au lycéen du lycée Jacques Callot, pour
pour ceux qui ont reconnu le lycée. Et s'il y a des babouins qui sont du lycée Jacques Callot, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, on va pas trop filmer le lycée parce que bon voilà, il y a des gens qui veulent pas forcément être filmés. Donc on va attendre qu'ils sortent. Il est 16h52, on a quand même 10 minutes d'avance. Bon bah du coup je vais lui envoyer un message, je viens de lui dire que je suis devant le Crous. Donc le Crous c'est juste ici, là le petit Crous Vélodrome. Et il m'a dit je sors dans 10 minutes, j'ai envoyé deux photos où j'étais. Il m'a dit tout bien, reste là. Ok. Du coup on a plus qu'à attendre Clément qui arrive avec son ami, son poteau. On les attend. En plus il pleut un petit peu là tu vois. Hop, on remet un petit coup de... Ça va? Bien quoi. Salut. Wow. Ça va ou quoi? Bah les gars montez, on va vous déposer tranquillement. Donc je suis Hubert hein les... Par contre vas-y T'as pas de cadavre dans le corps? Y'a rien de... Ça fait plaisir. On fait les présentations, Clément. C'est moi, Clément. Et Baptiste. Voilà, Clément et Baptiste, on s'est déjà vu, je crois. Ouais, ouais. Ah non, bah, avec la BEM aussi qu'on a vu. Ouais. En fait, c'est un lycée, c'est un collège, non? Ouais, les deux. C'est les deux, ouais. Ouais, ben on va partir parce qu'à mon avis de vous, là, il va y avoir des abonnés qui vont débarquer. Un petit peu, ouais. Il y a quand même du monde. Tu lui dis tout de suite ou quoi? Ah oui, par contre, avant de décoller. Ouais. Ça sera 20 balles d'essence chacun, les gars. Ah, quand ouais, même, elle consomme quoi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Eh, hey, belle opération, hein. Par contre, ça va faire un peu de bruit. C'est pas ouais, grave. J'aime bien le bruit. T'inquiète, oui. Ah, mais il y a la fac de science juste à côté. Ouais, ouais. Ouais. Là, tu montes. Je monte là. Ouais, tu montes là. C'est terrible. Ici, hein. Ça se voit qu'ils veulent pas qu'on accélère. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ils sont habitués. Ouais, ils sont trop chiants ici. Eh, c'est un peu dangereux Vendeuvre. Hein. Je traîne pas trop à Vendeuvre, mais bon, Vendeuvre pour ceux qui savent pas, c'est à côté de Nancy. Dangereux par rapport à quoi? Par rapport au Dodane? La route elle est un peu mal formée, on va dire aussi. Bah, en tout cas, j'espère que ça te fait plaisir. Je suis venu te chercher avec ton poteau. Je kiffe la voiture là et tout. T'aimes bien Audi? Ouais. Tu roulais quoi? Tu roules une BM, non? Ouais, enfin, la BM série 1. Du coup, ouais, il a une BM série 1, mais il peut pas encore passer. Enfin, il peut pas encore rouler. Bah après, c'est en route d'accompagner. Tu peux rouler dans 4 mois, quoi. Ouais, voilà. Ouais, il peut rouler dans 4 mois. Baptiste, t'as un petit mot à dire? Franchement, c'est le kiff. Est-ce qu'elle fait du bon bruit? Parce que c'est Ouais, le bruit vraiment. Mais tu vois, quand même, on se dit que c'est un petit moteur, mais elle fait du bruit quand même. Le bruit, il est pas d'origine, hein? Non? C'est modifié. Ouais, c'est modifié. Ouais, ouais. Comme j'avais expliqué dans ma vidéo, je sais pas si t'avais vu ma vidéo qui est sortie il y a 3 semaines maintenant. T'as les clapets, regarde, ouais, tu vois. Ouais, ouais, j'ai vu la vidéo. Regarde, là, j'ai ouvert les clapets. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. T'as vu la différence? Ouais, c'est. Moi tu peux rouler tranquille parce qu'avant ça doit faire mal à la tête. Ouais ouais là on peut pas faire de route hein. Déjà juste même 30 minutes de route ça rend fou les oreilles. Là je les ai fermés. On va les ouvrir pour le plaisir. C'est rapide ici hein, les feux rouges. C'est bien. Quand même. Enfin, un peu trop de bruit ta voiture. Ouais, ouais. C'est trop bien le bruit. Mais je suis concentré moi, parce que c'est vrai que dans les commentaires de la vidéo, ils ont dit regarder la tête de Vin comme il est concentré quand il conduit. Bah, c'est vrai que je fais une tête bizarre quand j'accélère. Ouais. Putain, les gens en ville ils doivent tout regarder. Tout. Ouais non franchement, le pire c'est les gens qui passent à côté de toi qui te font vas-y accélère, tu sais, ils te poussent à vas-y ouais, vas-y, ouais, ouais. Ne respecte pas la loi, t'inquiète, ne respecte pas la loi. Donc du coup Clément il voulait voir un peu le bruit que ça faisait. Bah écoute je vais te faire écouter, là je suis en P du coup. Ouais. Donc là c'est clapet ouvert. Elle fait beaucoup de bruit, ouais. Elle est bruyante. T'aimes pas le bruit? J'aime bien le bruit mais c'est bizarre, en fait elle fait plus de bruit que la C63. Parce que j'avais déjà conduit une C63, elle fait plus de bruit qu'elle mais c'est pas le même bruit tu vois. Moi je kiffe le bruit de. Je sais pas si ça a marqué, c'est un peu plus fort. Tu vois je vais pas te mentir, peut-être qu'une RS6 ça fait plus de bruit. Ouais. C'est un clavier. D'ailleurs, clavier, c'est mon 4x4 préféré, franchement. Moi, j'aime pas trop la fin. Ah, moi, je kiffe. Enfin, GLE. GLE, ouais, c'est vrai qu'il est beau aussi. Entre les deux, c'est vrai que le choix est compliqué. Mais clavier, mais après, moi, quand je dis clavier, c'est vraiment les clavier bien custom, tu vois. Ouais, le 63. Genre, celui-là, il est basique, tu vois. Il est pas trop non plus ouf. Mais les vrais clavier, c'est vrai qu'ils sont pas mal. En vrai, un clavier, c'est mieux en deuxième voiture, ça. En deuxième voiture, ouais. Tu penses? Ouais, ça peut être bien complémentaire à une Porsche ou un truc comme ça. Parce que tu vois, par exemple, celle-là, tu l'utilises pas quand tu vas faire tes courses, quand tu vas, quand tu vas en ville ou quand tu vas faire un truc comme ça. Le covoiturage, les gars, c'est important. On avait dit 20 balles chacun, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Bon, du coup, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il pleut, on va se dépêcher pour faire la outro. À Clément, j'espère que ça t'a fait plaisir. Baptiste. Merci, ouais.
Attention. Les gars, si vous voulez faire appel à mes services, c'est 40 euros comme on a dit. Bah alors je t'appelle tous les jours. En tout cas, n'hésitez pas à fumer la barre des likes. On a joué un maximum de likes pour cette vidéo. Peut-être qu'un jour on ira chercher un autre abonné dans un lycée, peut-être à la fac, on verra bien. Là aujourd'hui c'était Clément, et bah voilà, et puis j'espère que ça t'a fait plaisir. J'espère qu'on fera un tour un jour quoi. Un jour, bah si t'as le permis. Et bah écoute, on va se laisser là-dessus. Merci à toi. T'inquiète. Merci à toi Mathieu. Il pleut vite. Bon bah là, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Hein. Et moi je vous dis au bye.